Golf Mag vous est présenté par Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Cette émission a été enregistrée sur les sites du club de golf Tradition au Brickshire, en Virginie. À Golf Mag, cette semaine, on poursuit notre séjour en Virginie. On vous fait découvrir un parcours ouvert depuis 2001 et qui fait l'unanimité de par la qualité de sa conception. En fait, comment ne pas apprécier des allées verdoyantes et excessivement larges, donc généreuses, des verts ondulés et des variations de terrain sur l'ensemble des 18 trous? Bien, c'est ce qu'on vous propose, c'est le club de golf Brickshire. Bon Golf Mag! Le club Tradition Brickshire a été classé 4,5 étoiles par les lecteurs du prestigieux magazine Golf Digest. Ce parcours propose 5 tertres de départ et se joue entre 5 151 verges et un très long 7 291 verges. Il met toutes les facettes de votre jeu à l'épreuve. Il fait partie de la famille Tradition Golf qui gère aussi le Royal New Kent, qui est son voisin. L'ancien double vainqueur du US Open, Curtis Strange, a fait équipe avec l'architecte Tom Clark pour créer le club de golf de Brickshire. Strange voulait essentiellement reproduire quelques-uns de ses trous préférés sur des parcours célèbres afin que les visiteurs puissent à leur tour vivre une expérience unique. Ainsi, sur plusieurs trous, on constate quelques similitudes avec des parcours de renom tels que St. Andrews, Augusta National, le Riviera Country Club, et le Pinehurst numéro 2, comme ici, au 7e trou, qui est une très belle normale 4. Le numéro 7 est en effet une normale 4 qui offre beaucoup de place sur le coup de départ. Le vert est bien protégé. Un autre trou qui a été calqué est le premier. Il rappelle le numéro 3 du Augusta National. Il est une normale 4. Dès départ, il faut éviter la multitude de fosses de sable d'allée que l'on retrouve sur la gauche. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Je me fais souvent demander quel type de balle jouer. On va définir les golfeurs en deux catégories, le golfeur débutant et le golfeur plus avancé. Si vous êtes un golfeur débutant, vous cherchez des balles à bas prix pour une grande quantité. Les balles récupérées sont une très bonne option. Vous allez acheter un sac de balles ici, pas très cher, vous avez plusieurs balles. Comme ça, si vous en perdez quelques-unes, ça fait pas trop mal au cœur. Puis même si vous achetez des balles à plus haut prix, vu que vous êtes débutant, vous ne verrez pas vraiment la différence. Donc, idéalement, des balles récupérées, vous allez trouver ça vraiment extraordinaire. Pour le golfeur plus avancé, on peut s'acheter des balles flambant neuves, des Pro V1X. Moi, je joue de la Pro V1X, mais il y a toutes sortes d'autres compagnies aussi qui vendent des balles de très haute performance. On peut les acheter usagées aussi, donc des balles récupérées. Il y a des compagnies qui se spécialisent à repêcher les balles, à les nettoyer. Et je peux vous dire une chose, les balles, souvent, sont bien triées. On trouve des balles pratiquement neuves. La performance est très bonne, aussi bonne qu'une balle neuve. J'ai un exemple ici. La balle a été emboîtée. C'est des balles récupérées. Elles sont pas neuves, mais elles sont presque neuves. Moi, je joue avec ça en tournoi. Ça performe très bien. Puis, ça permet aussi de perdre une balle de temps en temps. Ça fait moins mal au cœur que lorsqu'on a payé une douzaine, 60 $ là-dedans. Au niveau des balles récupérées, il y en a de toutes sortes. TaylorMade, Nike, Callaway, Bridgestone. Les lacs, ils font pas de discrimination. Ils prennent tout ce que les golfeurs vont leur offrir. Écologiquement parlant, l'achat de balles récupérées est un bon geste pour l'environnement. Je joue moi-même en tournoi avec des balles récupérées. Sur ce, bon golf et essayez de pas trop perdre de balles lors de votre prochaine ronde. We'll be right back.
Nice try. Nice try too. Yes. Laissez-moi vous présenter celui qui est responsable du programme junior, notamment ici au club de golf de Brickshire. Tim, Tim, it's a real pleasure to meet you. It's a real pleasure to meet you. To talk about this great project that you had since your start here 15 months ago here at the Brickshire, because you were very well involved in the junior program. Tell me what it means and what do you do with the junior? Okay, what I do with the juniors is we start, there's a program out there called the PGA Junior League, and it started about 4 years ago. And I was in North Carolina and I did the PGA program there every year, and we did quite well as a team. And it's, the PGA Junior League is kind of like taking a baseball team or a soccer team or a hockey team and creating a team environment as opposed to an individual environment. So we, when I came here in June of last year, I said, well, I'm going to get the PGA Junior League to be here at Brickshire. So we advertised it, we put it out there, and we ended up with 25 kids for the first year. And how fun is it for you personally to teach and to see a young golfer became a good golfer? It's really exciting to take something that, to take somebody that doesn't really know anything, hardly which end of the club to hold, and then take them and teach them and nurture them and see how far they can progress in a relatively short time. And the main goal is we want to try and have them coming back and to kind of keep their interest up for golf. The ages are any age from 7 to 13. Once the boys or girls get to age 13, they age out in terms of playing in this particular PGA Junior League. And the girls and boys play together as a team. There's not a girls division and a boys division. They all play together. So we have, you know, girls playing together, boys playing together, and boys and girls. So it's a mix. You have like a league where you play against other teams that are in your group or pod. And then they'll create an all-star team out of that group or pod. And then once you've created your all-star team, then you will go on, and that's when you'll start playing in playoffs for to get to the regionals and nationals and things like that. We don't really emphasize winning and losing. We emphasize the competition and getting out there and enjoying golf and hopefully enjoying themselves. And we make sure that after every match, they shake hands, say good round, no matter if they did or didn't have a good round. And so it's all about camaraderie within the group. That's cool, because the, they are the future of the golf. They are the future of golf. J'aimerais savoir, qu'est-ce que toi t'aimes du parcours ici à Brickshire? What I really like about Brickshire is there are no two holes that are alike. When you play this golf course, you're not gonna go, oh, well, this hole reminds me of the hole previous. And as well as we really do have four really outstanding par threes. They're all very difficult. There's not a gimme par three out here at all. And it's more of a rolling, and you don't get very many flat lies either on the greens or in the fairways here at Brickshire. And as well as some short par fours that automatically when you see a short par four, you automatically think, well, this will be a piece of cake. I'm gonna make a birdie on this hole. I'm gonna drive it on the green and maybe make an eagle, which that can happen. But based on how they are, sometimes you can get yourself into trouble and making pars difficult, you know, just like on a regular length par four. So even though it's may say 300 yards or so, it's not always a gimme. All right, Tim, nous allons jouer le trou de la semaine ensemble aujourd'hui. Ce sera lequel exactement? We've selected hole number 8 at the Brickshire today. Great. Alors, on s'en va au trou numéro 8 ensemble. On va essayer de faire des birdies de ce côté-là. Notre trou vedette de la semaine est une magnifique normale 3 de 197 verges. Le huitième propose plusieurs défis. Un grand ravin vous force à faire un excellent choix de bâton, car il faut traverser, sinon vous serez largement pénalisé. Les fosses de sable sont également en jeu. Le verre, Dieu merci, est grand. Retrouvons Daniel et Tim sur le tertre de départ. Tim, je suis très fier de jouer ce trou numéro 8 à Brickshire avec toi ce matin parce que c'est un très beau trou, il fait excessivement beau, pas trop de vent. Mais j'aimerais savoir pourquoi toi tu aimes ce trou particulièrement. I like this hole. It's a pretty difficult par 3, and the reason I like it is it's not the hardest par 3, but it does give you some challenges. You've got a bunker in the front and a bunker in the back, and the green is wide, but it's very narrow, so you have to be very precise. You've got a lot of room left to right, but not a lot of room front to back. That's true. So today we have 162 yards exactly to the flagstick. Like you said, the green is very wide. What would be your target here? I'm probably going to aim a little bit left of the pin so that I try and avoid the bunker that's in front.
and try not to hit it in the back bunker. Uh-huh. The further you go to the right of the pin, the longer the carry and the longer distance you've got. And we are very lucky this morning because there is no wind at all. No, we don't have to worry. We don't have to compensate for either wind behind us or wind into our face. The flag's hardly moving. But normally, what would be the normal wind here? The normal wind probably would be a little bit into you, a little bit into your face. So I guess the hole can be more difficult. Yes. Okay, perfect. So what do you have in your hand? I have a 5-iron. You have a 5? Okay, I'll let you hit first because you know the course and the hole very well. Tim, vous êtes très impliqué avec le programme junior. Quel genre de conseils vous donnez justement à vos jeunes golfeurs? Yes, well, when I teach the kids or juniors, I think alignment is so important. Once they get the ball down on the ground or off the tee or in the fairway, just make sure that they're lined up properly, that they see their target, and they just make sure that they get their body and feet and everything lined up towards the target. Good. See what happens. Short side. That's good. Woo! That's a swing. Make a nice swing. Yeah. Alors dans mon cas, ça va être un fer 7 aujourd'hui. Alors, je vais me fier au bon conseil de Tim. De mon côté, je vais opter aussi pour le côté gauche du fanion. Du moins, je vais l'essayer. Ça me semble être l'endroit idéal parce que de cet endroit, le verre semble monter. Donc, ce serait peut-être un roulé beaucoup plus facile pour tenter l'oiselet si j'atteins cette portion du verre.